politique lecture, savoir si on sera invité. Et puis enfin, un mot sur cette chose étonnante à laquelle nous avons assisté l'autre jour, qui s'appelle Doux Partenariat, si j'ai bien compris, avec les collèges. On va donner à tous les collèges 200 euros pour 4 ans, c'est-à-dire 50 euros par an. Ça veut dire qu'on va déplacer des gens, quelquefois depuis Hérimoncourt, depuis Mout, ça va leur coûter plus cher que ce qu'on leur donne pour faire fonctionner leur collège. Et ça remplace donc le challenge de l'UNSS qui reconnaissait la qualité du travail effectué en UNSS. Aujourd'hui, c'est plus comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Moi, je pense que c'était quand même important de mettre en valeur des collèges qui se défonçaient au niveau de l'UNSS. Et je pense par exemple à des collèges, des petits collèges, comme celui de Fran, justement, qui faisait un boulot exceptionnel. Et je peux vous dire que les enseignants étaient particulièrement remontés à cette réunion du mercredi après-midi. J'espère qu'ils en ont parlé au vice-président concerné. Voilà. Claude Dalaval. Je m'excuse, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement qu'on n'arrive plus à se connecter. Je ferais bien une boutade. Est-ce qu'on autorise la personne à venir vous reconnecter ? Oui, mais c'est tout le monde, hein. C'est pas que moi, c'est... Oui, c'est mais tout... justement. Il arrive. Pour ça, je lui fais le clin d'œil, il est installé là au-dessus, sans regard de personne. Qui n'est pas connecté ? Oh, ça, c'est un coup monté. Alors. Ah oui, parce que nous, ici, il n'y a pas de... Monté, hein. Ah là. T'as changé de compte. Ah non, Pierre est parmi vous, donc... Il y a Jacqueline. Peut-être qu'on peut apporter... Tu apportes une réponse, Ludo ? Je vois que tu as demandé la parole en attendant que les dossiers reviennent. Merci, Madame la Présidente. Donc oui, pour répondre, puisque bon, on utilise l'Assemblée plénière pour répondre à des dossiers de commission permanente, donc on part un petit peu dans tous les sens. Donc je vais répondre, puisque j'ai été interpellé notamment sur ce qui s'est passé dernièrement donc, dans le hall de la Présidente, donc avec les différentes associations sportives qui ont été récompensées. Enfin, moi, je veux attirer simplement l'attention à Rimini-Appé. Ce n'est pas le département qui en a fait le choix. Le département accompagne l'UNSS. Qui l'UNSS, dans le cadre de sa réorganisation de fonctionnement avec les différentes associations sportives, a voulu privilégier une rotation et un turnover avec les différentes associations sportives. Le département du Doubs n'y est pour rien. Enfin, je m'excuse de te le dire, mais sauf qu'on a travaillé, on a travaillé avec l'UNSS. Non. Non, mais je peux pas te laisser dire tout et n'importe quoi. C'est qu'à un moment donné, on a travaillé avec l'UNSS. L'UNSS, Jérôme Broussier, que j'ai rencontré, qui effectivement s'offusquait à un moment donné de voir que certaines associations sportives qui travaillent très bien tous les week-ends, tous les mercredis après-midi, qui emmènent beaucoup d'élèves un peu partout, mais qui malheureusement, au regard de compétitions ou de compétitions de district qui ne sont pas forcément très importantes, ou n'arrivent pas forcément à mobiliser tous les mercredis comme d'autres associations peuvent faire, se retrouvent pas forcément récompensés. Et le choix que l'UNSS a fait, par le biais de son directeur départemental, c'est de revoir un petit peu le fonctionnement. Donc, ce n'est pas le département, on ne va quand même pas mettre toute la faute sur le département, sur les différentes réorganisations qui sont faites. C'est un choix que l'UNSS a voulu porter, et tu m'excuseras de le dire. Enfin, je pense être quand même plutôt pas trop mal placé pour savoir aussi comment ça fonctionne. Donc, non, je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi. On ne va pas mettre non plus tous les mots et toutes les réorganisations sur la collectivité départementale et sur les élus. L'UNSS est accompagné, je crois, de tête à hauteur de 45 000 euros. Après, il y a des fléchages, effectivement, qui sont matérialisés dans ces 45 000 euros. Et après, c'est la politique de l'UNSS qui est définie par son équipe dirigeante et non pas par les élus départementaux.
Bon, moyennant ces échanges, je vous propose quand même que nous revenions au rapport 302. Je ne l'ai pas fait voter. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, donc à l'unanimité. Vous avez accès à vos rapports ou pas? Toujours pas? Pierre, c'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Merci. Tu te laisses pas égarer. Oui. C'est bon? Je passe la parole à Philippe Alpi pour le rapport suivant, sachant que ces rapports, même si vous ne les avez pas sous les yeux, ils ont été examinés en commission, vous les avez lus, et sauf si vous avez des notes, bien entendu, c'est un peu désagréable, mais je pense que vous saurez rebondir, même sans votre tablette, pour quelques instants. Philippe. Alors, le rapport 401, c'est l'avis sur le SCOT du Doubs central. Il nous est demandé notre avis. Et ce périmètre proposé pour le SCOT intitulé Doubs central englobe 98 communes et permet de créer une continuité territoriale avec le SCOT Nord-Doubs à l'est et le SCOT du Grand Besançon à l'ouest. Ceci étant, il convient de préciser qu'au regard du schéma départemental de coopération intercommunale, arrêté par le préfet le 29 mars 2016, le périmètre de ce SCOT du Doubs central aura vocation à être modifié. Donc, il vous est demandé de prendre acte du projet de schéma de cohérence territoriale, Doubs central, et puis qui s'inscrit en cohérence avec le projet stratégique départemental Cap 25 et avec les différents plans et schémas départementaux existants ou en cours d'élaboration, et d'émettre un avis favorable sur ce projet. Madame la Présidente, merci. Merci. Donc, pas de demande de parole. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Et Philippe, je crois que tu vas nous quitter. Le papa de Philippe a eu un grave problème de santé, donc il est resté jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il est temps pour toi de reprendre la route et de nous tenir informés, en tout cas, de ce qui se passe. On est à tes côtés et bon courage à toi. Alors, le rapport suivant, Philippe. Merci, Madame la Présidente. Rapport 606, remplacement d'un membre de la commission permanente. Suivant l'article L221 du Code électoral, le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour cause de démission est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Monsieur Jeannereau ayant envoyé sa démission par courrier en date du 13 mai dernier, propose que M. Raphaël Crucien remplace M. Claude Jeannereau pour siéger en tant que membre également de la commission permanente. Ceci, pas besoin d'un vote à bulletin secret, je pense, à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Rapport 607, même motif, même punition. Je propose de désigner M. Raphaël Crucien, membre de la 5e commission, en remplacement de M. Claude Jeannereau. Et ce n'est pas terminé. Alors, pas d'opposition, pas d'abstention à l'unanimité. Le 608. Alors, nous avons tout d'abord à remplacer un conseiller départemental démissionnaire, M. Claude Jeannereau, au sein d'un certain nombre de commissions et d'organismes extérieurs dont la liste est jointe en annexe au rapport. Et deuxièmement, nous avons un certain nombre de décisions à prendre concernant des remplacements de conseillers départementaux au sein d'un certain nombre d'organismes. Premier remplacement, M. David Barbier a souhaité son remplacement au sein de la SEM Actia. Pour veiller à une représentation différenciée du département au sein de ces deux structures qui sont la SEM Micropolis et le SMIC Micropolis, il y a lieu de désigner un conseiller départemental suppléant au lieu et place de M. Leroux. Donc, je ne sais pas s'il y a un candidat ou un nom à proposer à ce niveau-là. Nous étions sur quel, pardon, quelle heure? Syndicat mixte de Micropolis.
Alors, désignation de suppléants en lieu et place de M. Leroux et M. Jeanneret. M. Viennet et Mme Lemercier. C'est bon pour vous ? Voilà. Au sein de la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées, il appartient au département de désigner 4 représentants pour siéger au sein de cette instance qui aura une mission essentielle. C'est la commission pour l'évaluation des charges et des ressources transférées qui devra fixer les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département avant les transferts de compétences, ainsi que les périodes de référence des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc 4 titulaires. Alors là, vous l'avez compris, hein, c'est la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées. C'est une commission très, très importante pour notre collectivité, puisque c'est là que nous allons négocier donc en partie avec la région. Donc, moi, je vous propose pour la majorité Monsieur Gonon, Madame Branget, Madame Rochebeau. Et pour la minorité, Monsieur Nappé. Ensuite, pour la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, il appartient à l'Assemblée de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de cette conférence. Donc, je vous propose Madame Jacquemet en titulaire, Madame Dalphin en suppléant. Au sein de l'Institut des sciences biotechnologiques agroalimentaires de Franche-Comté, il convient de procéder à la désignation d'un conseiller départemental suppléant. Nous sommes... Lisbaf. Ah oui, pardonnez-moi. Madame Loison. Non, c'est un suppléant, c'est ça? C'est ça? Oui, oui, pardon. En suppléant, oui. Oui, d'accord. Oui, je confonds avec le suivant. Oui, non, je confonds avec le suivant. Vous bousculez pas. Oui, au sein du comité régional d'orientation de la politique sanitaire, animale et végétale, il s'agit de confirmer la décision de Madame Loison titulaire et de désigner un conseiller départemental suppléant. Qui sera M. maire du Pauzet. Et il manquait le nom du remplacement de M. Barbier au sein d'Actia, au début du rapport. Alors, peut-être M. Crucien. Il nous manque aussi le syndicat mixte Mont-d'Or. Je ne crois pas que vous l'avez fait, me semble-t-il. Non. Donc... titulaire, M. Dallaval, suite à la vacance du siège de M. Jeanneret en qualité de titulaire, et puis en suppléant, M. Crucien. Non, ça c'est le SMIX Micropolis, non? Non, je suis dans le syndicat Mix Mont-d'Or. Ah bon, d'accord. Si on avait oublié de faire le SMIX Micropolis. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on procède à la désignation à main levée et qu'on ne fasse pas un bulletin secret? Dans la globalité, je crois qu'on a, de part et d'autre, nous sommes sur le schéma qui a été décidé. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, le rapport suivant. Alors, 609, Madame Rochebeau. Merci Madame la Présidente. Donc ce rapport a déjà été évoqué dans le discours liminaire de Madame la Présidente en tout début de séance ce matin. Et ce rapport concerne l'état des lieux des postes et effectifs de la collectivité. Il est composé de 2 autres parties qui concernent des transformations de postes et une actualisation réglementaire du régime indemnitaire des ingénieurs et des cadres de santé. En ce qui concerne l'état des lieux des postes et des effectifs au sein des services du département et des collèges, donc un premier état des lieux portant sur différents secteurs d'intervention des ressources humaines, a fait apparaître le besoin d'une vision claire et partagée de l'organisation des postes et de leurs occupants dans l'ensemble des directions et des collèges rattachés à la collectivité pour pouvoir engager efficacement le travail sur le nouveau projet d'organisation des services. Donc cet état des lieux, le fait d'avoir le projet d'administration à engager d'une manière efficace a nécessité un état des lieux très minutieux.
Donc cet état des lieux a consisté à s'assurer que chaque agent dispose bien d'un poste budgétaire qui soit inscrit au tableau des emplois de la collectivité, à clarifier le lieu d'affectation de chaque agent au sein du département et à vérifier que les moyens humains présents au sein de la collectivité sont en adéquation avec les besoins qui doivent permettre de mener à bien les missions à assurer. Donc l'état des lieux en date du 1er avril 2016 est le suivant. 22 postes vacants au sein des directions pour lesquels aucun processus de recrutement n'est actuellement engagé dans l'attente de la réorganisation en cours. 13 agents sans poste budgétaire. 19 agents affectés à ce jour à titre provisoire dans un service différent de celui auquel est rattaché le poste. Et 8 emplois aidés qui couvrent un besoin pérenne dont 7 sont en poste dans les collèges. La démarche proposée donc vise à stabiliser dans les meilleures conditions d'acceptation la situation individuelle de chacune des 32 personnes concernées, sans poste ou en affectation provisoire, avec un objectif d'optimisation et de maîtrise de la masse salariale. Afin de ne pas déstabiliser les agents, un principe de maintien dans le service actuel est proposé jusqu'à régularisation de la situation individuelle. Différents cas de figure sont envisagés. Lorsqu'il existe un poste vacant ou en voie de l'être au sein de la direction, les agents identifiés pourraient y être affectés directement à titre exceptionnel, ce qui permettrait de régulariser 16 situations sans passer par une création de poste. Lorsqu'aucune solution reposant sur une vacance de poste n'est actuellement identifiée, il conviendrait de créer les emplois budgétaires nécessaires à la régularisation de leur situation. Et ce sont 16 postes qui sont à créer pour régulariser ces situations-là. En parallèle de cette régularisation administrative, il conviendra de poursuivre le travail visant à affecter à terme chaque agent sur un besoin pérenne. La mise en œuvre du projet d'organisation devra permettre d'aboutir à une stabilisation de l'ensemble des agents de la collectivité. Au-delà des ajustements de l'organisation, pourront intervenir afin de prendre en compte notamment l'impact du projet d'administration sur l'organisation des services, l'évolution du périmètre des compétences de la collectivité départementale avec les modifications territoriales que l'on connaît, notamment à travers la loi NOTRe, et les conséquences de la loi Peillon de 2013 en matière d'informatique dans les EPLE. Néanmoins, au regard de l'évolution de la charge de travail, de l'inadéquation constatée entre les moyens actuels et les besoins, et du caractère prioritaire de cette compétence départementale, il est proposé de traiter sans délai la question des moyens alloués au service de l'aide sociale à l'enfance. Vous trouvez dans le cadre du rapport plusieurs tableaux qui vous précisent très clairement l'évolution de l'activité sur ces missions, qui sont des missions prépondérantes puisque cela concerne l'accompagnement des plus jeunes. Donc, dans le cas particulier du service de l'aide sociale à l'enfance, l'analyse a été conduite sur l'évolution de la charge de travail de ce service et il en découle les propositions suivantes. Apporter une réponse prioritaire aux besoins de l'antenne enfance ado par la création de 5 postes avec 4 temps pleins de travailleurs médico-sociaux et un temps plein d'administratifs, et prendre en considération la réelle montée en charge des situations accompagnées par les pôles ASE par la création de 2 postes de référents éducatifs sur les pôles ASE de Montbéliard et Besançon. Au total, ce sont 7 postes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance. Donc, en ce qui concerne les créations de postes, donc cela représente 33 créations de postes, 16 postes pour permettre la régularisation de situations individuelles, avec un impact financier qui est limité et estimé à 15 000 euros par an, dans la mesure où à la date du 1er avril 2016, tous ces agents sont déjà rémunérés par le département, et des 8 postes qui correspondent à des postes occupés actuellement par des emplois aidés, ce qui représente pour ces créations de postes, une dépense supplémentaire de l'ordre de 125 000 euros par an. Et en ce qui concerne le service de l'ASE, 7 postes pour son renforcement, ce qui représente une dépense supplémentaire de l'ordre de 170 000 euros par an. Au niveau des postes qui sont créés, donc l'incidence financière concerne uniquement les postes qui sont créés pour permettre à l'ASE de remplir ses missions
dans des conditions acceptables, et les postes qui sont régularisés pour que les emplois aidés ne soient plus sur des postes d'agents pérennes. Donc le coût financier est estimé à 103 000 euros pour l'année 2016 et 310 000 euros en année pleine à partir de l'année 2017. Voilà. En ce qui concerne le deuxième point, puisque ce rapport comporte trois points, le deuxième point concerne les transformations de postes. Donc, ces transformations de postes sont la traduction des actions menées tout au long de l'année, tant en termes d'ajustement des besoins que d'évolution de carrière des personnels. Sont ainsi présentées des transformations qui se traduisent par des suppressions et créations corrélatives de postes. Elles correspondent à l'adaptation de certains postes en fonction du grade des candidats retenus à l'issue de procédures de recrutement sur postes vacants ou à l'évolution des besoins des services. Et vous trouvez le tableau récapitulatif des différentes transformations de postes que nous devons valider ce jour. Et le troisième point qui concerne l'actualisation réglementaire du régime indemnitaire des ingénieurs et des cadres de santé, donc concerne des décrets deux décrets donc, ont supprimé l'ancien cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et nous avons un nouveau cadre d'emploi qui est mis en place. Donc aujourd'hui, il s'agit d'actualiser réglementairement le régime indemnitaire pour être conforme aux décrets qui s'appliquent. Et vous trouvez tout le détail de ces applications dans le rapport. Tu as terminé, Florence? Je vais passer la parole à Daniel Nevers. Merci, Présidente. Dans l'attente du nouveau schéma d'organisation des services, vous nous présentez un état des lieux des postes et effectifs de la collectivité. Sur un effectif de 2000 salariés, il apparaît que la situation de 32 agents doit être régularisée. 16 le seront sans passer par une création de poste et 16 par une création de poste, auxquels il convient d'ajouter 2 postes pour 2 fonctionnaires territoriaux en détachement au sein de votre cabinet. En outre, 8 postes seront créés pour permettre l'intégration de 8 emplois aidés. Enfin, la hausse de l'activité du nombre d'enfants confiés au département, accentuée par la problématique des mineurs non accompagnés, nécessite la création de 7 postes en faveur de l'aide sociale à l'enfance. Il est donc proposé la création de 33 postes pour un coût supplémentaire estimé à 103 000 en 2016 et 310 000 en année pleine, ce qui porte les effectifs de la collectivité de 1877 à 1910 agents hors assistants familiaux. Nous soutiendrons ces décisions. Toutefois, ce rapport soulève des incohérences qui nous interpellent. Il y a quelques semaines à peine, c'était fin mars, vous écriviez dans le rapport du budget primitif que la mise sous contrainte du budget des ressources humaines se traduit par la poursuite de la politique de suppression de postes. Et dans le rapport 605 consacré au RH, vous vous félicitiez d'avoir pu gagner en 2015 l'équivalent en masse salariale de 21 équivalents temps plein. Autre incohérence, il y a 22 postes vacants au sein des directions qui ne donnent lieu à aucun processus de recrutement. Ils sont gelés dans l'attente de la réorganisation en cours, écrivez-vous page 3 du rapport que nous devons voter aujourd'hui. Vous nous faites délibérer sur les 33 créations de postes, mais pas sur les 22 postes gelés qui semblent mis sous le tapis. Ces 22 postes vacants sur lesquels on ne recrute pas restent donc au tableau des emplois. Vous construisez ainsi un décalage entre le tableau des emplois et les postes occupés. Cette politique n'est guère lisible et manque singulièrement de clarté. Elle pourrait laisser croire que vous repoussez les décisions difficiles après d'autres échéances. Vous allez sans doute me répondre que vous avez trouvé de la souffrance au sein du département. Qu'il y ait des situations individuelles à régler, oui. C'est pourquoi, je l'ai dit, nous voterons ce rapport. Mais le Figaro du 23 juin,
qui titrait « L'absentéisme grimpe encore dans les collectivités locales » rappelle que le contexte de difficulté est plus global et qu'il ne frappe évidemment pas que notre seul département. Gardons-nous d'exploiter les tensions et avançons pour les résoudre. À cet égard, la diminution de notre soutien au COS, la réduction des crédits de formation et de remplacement n'est pas le meilleur signe donné à notre personnel. Enfin, Madame la Présidente, le respect du personnel passe aussi par la présence des élus dans les instances dédiées aux agents. La majorité, et c'est légitime, elle a été élue pour assumer ses responsabilités, détient 4 sièges au comité technique des personnels départementaux. Le dernier CTP, celui du 14 juin, s'est déroulé pour l'essentiel avec la seule présence de sa présidente. Avec 2 représentants sur 2, la minorité était majoritaire l'après-midi. Cet absentéisme n'est pas acceptable, d'autant moins que l'ordre du jour était important. Vous êtes le boss, avez-vous proclamé dans la presse locale. À vous d'exiger la présence de vos élus dans les différentes instances. Merci. Monsieur Delaval. Voilà, je voudrais enchaîner un petit peu avec ce que vient de dire Daniel. Moi, c'était par rapport aussi à la présence, pas que des élus, mais aussi, je pense, Madame Dalphin est en train de travailler au niveau de la MDPH, de la CDRPH, par rapport au manque des fois de quorum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir une séance. Je vois la semaine dernière, au niveau des pompiers, au niveau du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, le colonel m'a appelé la veille parce qu'on n'avait pas le quorum. C'est-à-dire, là aussi, il manquait des élus. Donc, je crois que c'est important qu'on tienne. Et si le CCDSPV n'avait pas pu se tenir mercredi dernier, le CA du jeudi n'aurait pas pu se tenir non plus. Du coup, j'avais le choix entre deux réunions, hein, puisqu'il y avait le Marais de Saône et le syndicat du Marais de Saône en même temps. Donc, j'ai choisi d'aller au CCDSPV, ce qui a permis de faire le CA. Mais en regardant les comptes rendus de CCDSPV, je vois que je ne suis pas le seul élu. Il y avait M. Maréchal, le président, et moi-même. On n'était que 2 élus. Souvent, on n'est que 2 élus. Je crois que quand on s'engage, c'est important aussi d'être présent et de pouvoir que les services aussi ne passent pas des heures et des heures à trouver, à chercher des gens pour faire le quorum. Voilà, merci. Merci. Sur l'absentéisme et la présence des membres en commission, je crois qu'on ne va pas ouvrir le débat parce qu'on pourrait parler de l'absentéisme de certains dans cette assemblée depuis le 2 avril. Donc, je vais rester tel que je suis, sans entrer dans la polémique, parce qu'on ne va pas rouvrir un dossier qui est fermé, mais il y avait beaucoup à dire. Et par décence, je n'y suis pas allée. Donc, s'il vous plaît, pas de leçons. C'est l'un des vôtres, il n'est plus dans cette assemblée, donc je ne souhaite pas qu'on rouvre ce dossier. Ça, c'est le premier point. Le titre du journal, Le Boss, vous imaginez que ce n'est pas moi qui fais le titre de l'article, mais je l'assume, très simplement, je l'assume. Donc, sur les problèmes de quorum, nous allons être attentifs, nous le sommes déjà beaucoup, mais vous siégez dans beaucoup d'organismes, et jeudi matin notamment, il y avait 4 commissions qui étaient réunies avec des membres, bien entendu, comme vous l'avez eu auparavant dans l'Assemblée. Donc, il est vrai que nous essayons le maximum d'avoir le quorum partout, mais clairement, nous sommes quelquefois en difficulté, comme vous l'avez été antérieurement. C'est toujours très compliqué, mais les personnes qui ont pris des engagements, si elles n'étaient pas à un endroit, elles étaient à un autre endroit pour assurer le quorum. Alors, j'entends que vous auriez pu, sur une réunion telle que celle de la semaine passée, avec la majorité, mais je sais bien que ce n'était pas, d'une part, dans l'intérêt du département et non pas dans l'intérêt du personnel non plus, puisque c'est un lieu où nous partageons, nous échangeons et nous essayons, en tout cas, de trouver les meilleures solutions. Je voudrais quand même revenir quelques instants sur l'état des lieux des postes effectifs,
parce que entre les contradictions que vous exposez, la réalité de la situation, je voudrais très simplement vous lister quelques points qui, pour l'heure, seront très précis. Donc, on l'a rappelé, l'état des lieux des postes effectifs du département présenté ce jour en assemblée s'est imposé au vu d'un constat. L'absence de lisibilité claire de l'organisation interne à chaque direction ou service, précisant le nombre et la nature des postes budgétaires affectés, ainsi que le rattachement des agents sur chacun de ces postes. Nous avons constaté des agents affectés en surnombre, ou à titre provisoire, ou à l'essai, dans une autre direction, et qui se sont retrouvés sans poste, celui-ci ayant été considéré comme vacant et qui a donc été affecté à un autre agent ou a été supprimé. La double affectation sur un même poste. Je vous livre les constats très précis. Certes, je le pense sincèrement, la volonté était de prendre en charge les situations individuelles en difficulté sur leur poste de travail, souvent pour des raisons médicales ou relationnelles. Vous le savez très bien, dans une institution telle que la nôtre, il peut y avoir conflits ou difficultés au sein de certains services. Donc, tout cela, opter pour une solution permettant un maintien dans un emploi à travers un processus de mobilité interne, c'était louable. Mais cela s'est traduit par un processus qui a souvent omis de traiter la cause des problématiques rencontrées et qui a abouti à des affectations sur certains postes qui échappent au principe même de publicité et qui passent par des périodes d'essai ou des affectations à titre provisoire. Nous n'étions pas dans la réglementation, il faut l'admettre un jour ou l'autre. Tout cela, le constat était fait d'une part par l'encadrement et j'ai demandé que soit vu précisément tout cela. Donc, lors du séminaire qui a réuni l'ensemble de l'encadrement le 10 mai dernier, dans le cadre de la concertation donc sur le projet d'organisation, puisque tout l'encadrement a été réuni, ils ont demandé la nécessité d'une grande transparence et une clarté des règles de gestion en matière de ressources humaines. Donc, nous poursuivons, si vous voulez, pour faire ce cap org. L'objectif qui est le nôtre, il est désormais d'assurer l'équité de traitement entre les agents et l'égalité d'accès aux emplois de la collectivité, tout en prenant en considération les situations difficiles, mais dans un cadre préalablement défini. C'est notre approche que nous souhaitons mettre en place. Témoignage des difficultés rencontrées, de nombreux accompagnements psychologiques ont été proposés à des collectifs de travail ou à des agents pour un suivi individuel. Au printemps 2013, face à des situations de mal-être déjà observées, des conventions ont été passées avec des psychologues du travail des trois secteurs géographiques du département afin qu'ils accompagnent des collectifs ou des agents en souffrance au travail. Je reviens bien à un moment donné, à ce qui s'est passé. Je n'ai pas pour habitude d'effacer certaines choses, mais accepter un constat qui n'est pas le nôtre. Depuis 2013, une dizaine de collectifs ont été accompagnés par les psychologues du travail. En matière d'accompagnement individuel, les bilans des conventions annuelles font ressortir une hausse du nombre de séances individuelles. On lâche le mal-être dans cette maison. Peut-être plus prenant aujourd'hui qu'hier, mais l'avant-hier était là aussi. Et puis, je crois qu'il faut aussi constater l'évaluation tardive des risques psychosociaux. Ça s'est fait très tardivement. L'accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique prévoyait l'obligation pour chaque employeur public d'élaborer un plan d'évaluation et de prévention des risques avant 2015. Pardonnez-moi de revenir là-dessus. Le travail n'a pas été engagé. Il a été préparé au deuxième semestre 2015
Et la phase de diagnostic a effectivement débuté au printemps 2016. Alors moi, je veux bien entendre dans cette assemblée, de façon récurrente, que nous n'avançons pas, que nous ne trouvons pas les solutions, que nous sommes en train, pardonnez-moi l'expression, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais de patauger la lenteur, la non-prise de décision, mais quand il faut remettre cette maison en place, parce que les constats, ils sont faits, et tout ça, c'est pour le bien-être du personnel, ce n'est pas pour se faire plaisir, vous savez. Moi, j'apprécierais beaucoup mieux à ce qu'il y ait une autre ambiance, moins de difficultés, mais prenons la chance, à partir de ce constat, de remettre tout ça en ordre de marche. Donc c'est pour ça que vous dites 33 sur une collectivité de 2400, mais 33, au vu de ce que ça a généré dans les différents services, on est bien au-delà du nombre des 33. Donc, il faut qu'on prenne ce problème à bras-le-corps. Et moi, je voudrais vous remercier de voter ce rapport avec nous. Parce que, en le votant, vous prenez les responsabilités qui sont les vôtres de la mandature jusqu'au 2 avril 2015. Et ensemble, nous allons travailler pour que dans cette maison, cette collectivité, les agents retrouvent la place qui doit être la leur. Pour certains, ça sera difficile, je le sais. Mais pour d'autres, il faut vraiment qu'on résoudre les difficultés qui sont engendrées en ce moment. Donc, avec tous les dispositifs que nous mettons en place depuis le début d'année 2016, le travail d'élaboration du plan de prévention sera engagé. Voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter concernant ce rapport. Alors, je vais donner la parole à Rémi. Oui, juste une seconde. Tu as abordé ce matin la question des personnels de développement 25. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, concernant de développement 25, je vais répondre en tant que présidente du département de ce que nous avons fait, sachant que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une association loi 1901 et que le président de développement 25 met en place la procédure, puisque nous ne pouvons plus, à partir du 1er janvier 2017, abonder à cette association par rapport au développement économique. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que peut-être que ça vous a échappé. Vous savez que dès l'année passée, au mois d'octobre, j'avais écrit à la présidente de région, qui était à l'époque Marie-Guide Dufay, mais c'était mon interlocuteur et c'était bien normal que je m'adresse à elle, pour lui l'alerter sur les difficultés que nous aurions pour appliquer donc, ce transfert. Donc, était-elle intéresser l'institution, bien sûr, par certain nombre de personnels. Fallait-il que nous orientions notre décision autrement à ce jour ? Je dis bien à ce jour. Donc, nous sommes aujourd'hui le 27 juin. Je n'ai pas, sauf à ce que ça soit arrivé vendredi, de réponse précise par rapport à cette demande qui a été faite le 29 octobre, renouvelée au mois de janvier, et abordé lors de la conférence à la région de la CTAP. Donc j'ai reçu à plusieurs reprises le personnel, les délégués du personnel de développement 25 pour que nous puissions les accompagner au mieux dans cette démarche. J'attends cette fois-ci une réponse parce que je ne sais pas si la région reprendra oui ou non du personnel. A priori, peut-être, moi je mets des guillemets, hein, parce que tant que je n'ai pas de confirmation, mais ça serait de l'ordre de 2 ou 3. Pour notre part, au vu de la constitution de l'outil d'ingénierie territoriale, il peut y avoir, à l'intérieur du personnel de développement 25, des compétences qui pourraient intégrer cet outil d'ingénierie, avec toutes les difficultés juridiques que nous aurons, puisque nous allons nous retrouver avec un outil différent
de l'association Loi 1901, et c'est pour ça que nous travaillons avec beaucoup de rigueur sur les éventuels transferts ou intégrations, soit dans l'outil, soit dans la maison, par rapport à certains postes. Voilà où nous en sommes par rapport à Développement 25. Je dois vous dire que j'aimerais vraiment, sincèrement, pour le personnel maintenant, pouvoir leur dire, par le biais de leur président qui est Denis Leroux, qui là aussi s'est beaucoup activé par rapport à tout cela, une réponse qui soit une réponse. Mais là, je suis pas dans l'expectative, vous l'aurez compris, parce que 29 octobre 2015, janvier, plus la conférence des territoires, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de démarches, je n'en reste pas là et je continue donc bien entendu pour que le personnel trouve une solution plus en adéquation. Il y aura, vous l'aurez compris, je pense, quelques personnes qui ne pourront pas retrouver place dans telle ou telle structure. Je pense notamment au poste administratif. Hein, où, voilà. Donc là aussi, mais nous recherchons aussi auprès de d'autres associations, d'autres syndicats, chaque fois qu'il y a une demande sur un poste précité qui pourrait correspondre, nous ne manquons pas, bien entendu, de faire le relais pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, Rémi, j'espère que j'ai répondu le mieux possible à tes interrogations. Vas-y, je t'en prie. Juste un dernier point sur le personnel. J'ai trouvé dommage ce matin qu'en dehors de l'intervention de Martine, il n'y ait pas eu un petit mot pour Christine Bresson. Alors, le petit mot pour Christine Bresson, elle n'est pas encore partie. Hein. Donc, je n'ai pas pour habitude de remercier les gens avant qu'ils soient partis. J'ai remercié l'ensemble des personnes qui étaient là. Dernier moment, elle n'est pas dans l'Assemblée. Donc, je l'ai vue personnellement, jeudi passé, dans mon bureau. Voilà. Tu veux passer peut-être deux mots, Denis ? Oui, merci, Présidente. Oui, peut-être deux mots. Vous n'avez pas échappé que les délégués du personnel, qui m'avaient prévenu d'ailleurs, hein, qui l'ont fait en toute franchise et contradiction, ont écrit à chacun d'entre vous pour vous faire part de la situation de Développement 25. Donc, je n'ai pas énormément de choses à rajouter à ce qu'a dit la Présidente, si ce n'est que ces deux pistes, il y a une troisième qui est évoquée aussi, c'est le devenir de ceux qui travaillent sur le dispositif TIRSA, qui est en cours d'évaluation, et qui, là, pour le coup, est sur une compétence départementale et qui peut être l'objet d'un, voilà, d'un travail avec le département qui est encore en cours de travail avec peut-être d'autres partenaires. Donc, il y a ces trois pistes pour l'instant. Nous en sommes là. Il y en a une qui était celle, hein, il y a les pistes plus formelles, qui était celle d'envisager pour certains des ruptures conventionnelles. Il y en a eu une déjà. Bernard Paulin est parti il y a quelques semaines et en même temps, alors on les a privilégiés puisque ça permettait entre guillemets de gagner de la masse salariale parce que c'était un salaire conséquent. Il y a encore d'autres pistes de réflexion sur ce terrain-là. Et puis, je ne cache pas, et puisque je vous transmets l'information, n'hésitez pas à faire des propositions, parce que moi, je l'ai fait. Hein, il peut y avoir effectivement d'autres syndicats parmi nous, d'autres organismes qui, eux, sont dans des optiques de recrutement ou du privé. Et il y a aussi des pistes de travail où j'ai transmis des propositions de recrutement directement. Et c'est vrai que ce que vous dit effectivement Nathalie Bonduaeux, l'une des déléguées du personnel dans la lettre qu'elle vous a écrite, c'est que oui, ce sont des postes privés. Hein, c'est une association privée. Et donc des contrats de travail de droit privé qui ne pourront pas être l'objet d'un transfert. Si certains ont pu dire ça ou d'autres ont pu entendre ça, jamais de ma part j'ai pu dire ça. Voilà. Je me suis simplement engagé à faire tout ce que je pouvais avec le département et la présidente a reçu les délégués du personnel quand même plusieurs fois pour faire en sorte que toutes les situations soient analysées, des départs, des ruptures conventionnelles pour ceux qui auraient d'autres envies, d'autres destins économiques ou autres sur notre département ou ailleurs, et puis effectivement un travail de fond avec la région. Et je l'ai redit, hein, j'étais il y a une quinzaine de jours à l'ARD, puisque le département en est membre, et comme c'est l'ARD qui doit reprendre effectivement le positionnement économique de la région, j'ai
redit, et semble-t-il c'est Arnaud Martet qui va reprendre la main, je lui ai redit qu'on était à sa disposition, qu'on attendait que les personnels non seulement travaillaient, puisque Développement 25 travaille encore, mais a effectivement toutes les peines du monde maintenant d'avoir un interlocuteur qui va être celui qui va financer, et vous le savez qu'on ne peut plus depuis le début de l'année, mais la région peut le faire, et de retrouver aussi un interlocuteur sur les politiques territoriales, puisque semble-t-il la région voudrait faire sur les secteurs, sur les départements, des pôles territoriaux. Donc je ne vois pas, enfin il y en a peut-être d'autres, mais pour ma part en tout cas, connaissant la compétence de leur qualité, je ne vois pas qui est mieux placé que les salariés de Développement 25 pour travailler sur le territoire du Doubs. Vous savez le travail qu'ils font sur vos communautés de communes et que les conventionnements qui sont en cours les laissent travailler jusqu'à la fin de l'année. Mais il faudra effectivement trouver une solution. Je les rencontre très prochainement, une prochaine réunion du personnel le 8 juillet pour faire le point. J'espère, puisque la région nous avait dit 30 juin, mais je vois arriver cette date avec beaucoup d'expectatives et d'interrogations. J'espère que nous en saurons un peu plus à la rentrée de septembre et que là, cette fois-ci, un certain nombre de postes pourraient être intéresseront une structure ou une autre. Voilà les précisions que je voulais apporter. Voilà, moyennant ces remarques et ces informations, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, l'unanimité? Je pense que c'est vraiment très important pour ce rapport. Je vous en remercie. Le rapport suivant, le 610. Alors, Philippe. Merci. Ce rapport concerne la mise à jour de la charte informatique et notamment de son article 7, concernant l'utilisation du courrier électronique au sein du département du Doubs. Vous trouverez page 15 et suivante les points principaux, page 13 et suivante les points principaux qui concernent ce que l'on appelle les règles de bonne pratique de l'email, la portée juridique des correspondances électroniques et l'usage privé et raisonnable que peuvent en faire les agents du département pendant leur temps de travail. Donc, une délibération pour nous autoriser à modifier cette charte. Vous ne voyez pas d'opposition ni d'abstention à l'unanimité, je vous en remercie. Donc le 611, le compte-rendu de l'exercice des délégations de compétences consenties à la présidente. Voilà. Par cette délibération, nous demandons à l'Assemblée donc de valider les actions en justice engagées ou clôturées depuis la séance du 23 mars 2016, les marchés avenants réalisés depuis la séance du 23 mars 2016 et les opérations financières relatives aux emprunts à ligne de trésorerie depuis le 23 mars 2016. Bon, ça n'apporte pas de vote spécifique puisque c'est une information. Donc nous arrivons au bout des dossiers, des débats. Je voudrais vous remercier pour la qualité d'intervention. Les échanges ont été certains moments un peu animés, mais là aussi se doit de respecter la tonalité des uns et des autres et surtout que chacun nous puissions nous exprimer. Au-delà de ce qui peut être blessant quelquefois, je crois qu'il faut vraiment que nous travaillions tous ensemble pour ce département. Je l'appelle vraiment de mes voeux. Il peut y avoir de temps en temps des petits couacs, mais ne mettons pas cela en avant. Je crois qu'il faut vraiment que nous puissions, les uns et les autres, faire vivre ce département. Et je l'ai dit depuis le départ, nous sommes 38 dans cette assemblée, donc essayons de partager le plus possible l'ensemble de ces dossiers avec les remarques qui sont les vôtres et puis les amendements quand ils sont possibles. Je crois qu'on les prend aussi en compte. Je n'ai pas changé par rapport au discours que j'ai fait à l'introduction et je souhaite vraiment qu'on puisse, dans cette Assemblée, travailler sereinement pour l'intérêt général de ses habitants. Je vous remercie. Considérer les 5 minutes de battement pour entrer en commission permanente, puisque là nous ne sommes plus cette fois-ci en direct. Je demanderai vraiment au rapporteur, si vous en êtes d'accord, et à l'ensemble de l'Assemblée, que nous soyons très synthétiques sur les dossiers qui sont présentés. Vous les avez vus en commission, ils ont été discutés, vous avez eu pour la plupart les explications.
sur les dossiers vraiment où il y a encore problématique ou interrogation, bien entendu, nous prendrons le temps nécessaire, mais sur tous les dossiers, et c'est la plupart des dossiers de la commission permanente, si nous pouvions être vraiment mais plus que synthétiques, ça serait parfait pour tout le monde. Donc, tout comme l'Assemblée ce matin et qui s'est poursuivie cet après-midi, vous avez les élus qui ne doivent pas prendre au vote hein, par rapport aux délégations que vous avez. Donc, soyez vigilants par rapport à...